Alors maintenant, tu vas tester ton sens de l'observation. Ce test comporte 3 niveaux et chaque niveau est plus difficile que le précédent. Prends un stylo et une feuille de papier, tu auras besoin de tout cela pour noter ton score. Chaque bonne réponse te rapporte 1 point et tes résultats t'attendront à la fin de la vidéo. Niveau 1, débutant. Numéro 1, quel chat est différent des autres ? Exact. Contrairement aux autres chatons qui ont l'air surpris, celui-ci est en colère. Numéro 2. Parviendras-tu à trouver un C parmi tous ces O? Le voici, caché près du bas de l'image. Numéro 3. Un des singes est différent, mais lequel ? C'est le singe qui se bouche les oreilles. Numéro 4. Quelque chose ne va pas dans cette image, mais quoi exactement? Le reflet de la femme est totalement faux. Numéro 5. Et qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? La rue a l'air d'être en pleine nuit, mais le ciel est aussi clair qu'en plein jour. Numéro 6. Et que penses-tu de ce domino? Est-ce qu'il te semble correct? Un domino peut avoir un maximum de 6 points sur chacune de ses faces. Numéro 7. Il y a quelque chose d'étrange sur cette photo. Peux-tu le trouver? La voiture rose à gauche a le volant à droite et il n'y a personne pour conduire. Numéro 8. Lequel est le plus étrange? Oui, ce chat a l'air beaucoup plus triste que les autres. Numéro 9. As-tu remarqué quelque chose de bizarre ici? Hé, hey, attention, tu essaies de mettre du linge sale dans le lave-vaisselle. Numéro 10. Je sens que quelque chose ne va pas dans cette image. Mais quoi? Qui a laissé le chien sortir? Je parie que le chien n'est pas censé être là. Numéro 11. Quelle image est la plus étrange? Un cheval se cache parmi ses vaches. Numéro 12. Peux-tu déceler quelque chose d'étrange sur cette photo? Est-ce un pirate dans un avion? Numéro 13. Il y a quelque chose qui cloche dans cette image, mais quoi? Le pot d'échappement n'est pas censé être à l'avant de la voiture. Numéro 14. Et peux-tu trouver ce qui ne va pas avec cette photo? C'est l'été ou l'hiver dehors? Je n'arrive pas à comprendre. Numéro 15. Quelle tomate est différente des autres? Ah, la voilà! Numéro 16. Cette photo semble tout à fait normale, jusqu'à ce que tu regardes de plus près. Quelle est la race de ce chat? Il a 2 queues. Niveau 2. Il faut réfléchir. Numéro 17. Une chose ne colle pas dans cette image. Qu'est-ce que c'est? L'horloge sur le mur est vraiment bizarre. Numéro 18. Quel smiley est différent?
celui-ci a l'air encore plus heureux que les autres. Numéro 19. Et cette photo, peux-tu trouver ce qui ne va pas ici? Il y a deux lunes dans le ciel. Peut-être que ce n'est pas notre planète. Numéro 20. Un avocat est différent des autres. C'est lequel? Tu as raison, c'est celui qui est mignon. Numéro 21. Cette photo semble relativement normale. Ah non, regarde le calendrier accroché au mur. Numéro 22. Peux-tu repérer le cochon bizarre? C'est celui du milieu. On dirait qu'il a perdu sa queue. Numéro 23. En combien de temps vas-tu trouver ce qui ne va pas dans cette image? Les feux de signalisation sont étranges, avec la couleur rouge en bas et le vert en haut. Numéro 24. Il y a un détail qui cloche sur cette photo. Qu'est-ce que c'est? Le ballon est plus grand que le panier. Il ne rentrera pas dedans, même si les joueurs essaient. Numéro 25. Quelle tasse de café est la plus bizarre? Ah, je vois. C'est celle qui a 3 grains de café. Numéro 26. Quelque chose ne te semble pas normal sur cette photo? Les trains rouges et violets se déplacent l'un vers l'autre et ils voyagent sur la même voie. Numéro 27. Un éléphant est différent des autres. C'est lequel? Ah, c'est celui qui n'a pas de défense, à gauche de la photo. Numéro 28. Quelque chose cloche dans cette image, mais quoi? Regarde la main de la fille, elle sort de l'écran. Numéro 29. Quelle bicyclette n'est pas vraiment une bicyclette? Ouais, celle-ci est une moto. Numéro 30. Deux gars qui travaillent dur et beaucoup d'outils différents. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a une cuillère parmi les autres outils. Pourquoi en aurait-il besoin? Numéro 31. Tu vois quelque chose d'étrange sur cette photo? Au lieu d'une fourchette et d'un couteau, la fille a deux fourchettes. Numéro 32. Quelle est la pomme qui est différente des autres? Oh, regarde, cette pomme n'a pas de feuilles alors que les autres en ont. Niveau 3, super dur. Numéro 33. Un chien est différent des autres. Lequel? Ce pauvre animal n'a pas de nez. Numéro 34. Quelle image est la plus étrange? Oh waouh, j'ai totalement raté celle-là. La porte est d'une couleur différente. Qui aurait pu y penser? Numéro 35. Peux-tu repérer un petit chien parmi ces pandas? Ah, le voilà. Mais ça n'a pas été facile de le trouver. Numéro 36. Quelle souris est différente? Oh, c'est de plus en plus difficile. Numéro 37. Peux-tu trouver la fleur différente? Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre la vidéo en pause. Je ne vais pas compter cela comme de la triche.
c'est celle qui se trouve dans le coin inférieur droit. Elle a un pétale rose supplémentaire. Numéro 38. Quelle basket est différente des autres ? Ah, je vois, elle n'a pas le petit trait noir. Numéro 39. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo ? Les ombres ne peuvent pas se former de cette façon si le soleil est à gauche. Numéro 40. Quelle pizza est différente des autres ? C'est celle qui se trouve dans le coin supérieur à gauche. Elle a plus d'olives que les autres. Numéro 41. Il y a quelque chose de très, très anormal dans cette photo. Peux-tu trouver ce que c'est ? Regarde cette femme, elle a trois bras. Numéro 42. Peux-tu trouver le haut parmi ses culs ? Le voilà, presque en plein centre. Numéro 43. Il y a un 3 qui se cache parmi tous ces 8. Peux-tu le trouver ? J'avais raison, et toi ? Numéro 44. Crois-le ou non, il y a un lapin parmi ces chats. Où est-il ? Ses longues oreilles et ses dents ont trahi le lapin. Numéro 45. Quel smiley est différent des autres ? Celui-ci semble ne pas avoir de nez. Numéro 46. Peux-tu trouver le réveil bizarre ? Incroyable ! Je n'avais pas remarqué que l'un d'entre eux avait une deuxième aiguille. Numéro 47. Quel hibou est en fait un chat ? Ah, le gris ! Au lieu d'un bec, il a un nez et une bouche. Numéro 48. Peux-tu trouver quelle fraise est différente des autres ? Oh, celle-là ? Maintenant je vois. Waouh ! Pour dire la vérité, ce niveau m'a fait transpirer. Et maintenant, j'ai hâte de connaître mes résultats. Si ton score est compris entre 0 et 15 points, essaie de prêter davantage attention aux plus petits détails. Dès que tu commenceras à travailler sur ton sens de l'observation, tu feras beaucoup de progrès. Si tu as de 16 à 32 points, tu as l'œil vif. Avec plus de pratique, tu deviendras un pro en un rien de temps. Si tu as 33 à 48 réponses correctes, tu peux repérer les moindres détails sans faire trop d'efforts. Rien ne peut t'échapper à ton œil de lynx. Mieux vaut ne pas t'embêter.